Whenever the French wish to celebrate a happy event in their lives, they gather around a table to enjoy what they call a repas gastronomique, or gastronomic meal. For 95% of French people, this type of meal is an essential part of their shared heritage and their cultural identity. In France, the gastronomic meal is a social custom that ritualizes the pleasure of being together. Preparing a gastronomic meal means enjoying the process of choosing recipes, shopping for the best products, cooking together. Inviting friends or family over for a gastronomic meal brings into play expertise and know-how, the art of ensuring their transmission, and joy. What will we serve? How will we share in the cooking? Who will do the shopping? Une fois que vous avez mis à la poissonnière à la vapeur, vous laissez refroidir la peau à la fondue. Et après, on coupe en tranches à ce moment-là. Qu'est-ce que tu ferais, toi, avec l'amandine, aujourd'hui? When shopping, people exchange knowledge, give advice, and share cooking tips. The market is a place for conversation and transmission. Bon appétit et cuisine bien. Merci. Allez. Je viens chercher chez vous. The French gastronomic meal also welcomes ingredients from foreign cultures. It leads to new discoveries, helps in accepting other cultures, and encourages the appreciation of diversity. It also reflects France's regional and geographical diversity through the many different products that make their way to the table. Un rôti de veau. Hein? Bah, je pense qu'on va s'orienter sur un quasi de veau. Un quasi de veau. Une des pièces les plus nobles. On propose de vous donner quelques os de veau à côté. Ça va faire un jus onctueux avec la. Avec voilà, la... mais surtout un jus naturel de oui, la bête. Oui, très très bien. On aurait besoin de pain, s'il vous plaît. C'est pas avec. Bonjour. Je vais composer un petit plateau qui illustre ce qui est bon en cette saison. C'est la bonne saison dans le sens où en ce moment, en fin de printemps, début d'été, les animaux, les vaches sont dehors, ouais. Elles sont dans les pâtures. C'est voilà. Plutôt la période où les pâtures sont riches et bien parfumées, donc ça donne... Bonjour. Donc on va attaquer par l'apéritif. Les arômes de mandarine, les arômes... Ça c'est un bon vin de, pour débuter un repas. At last, friends and family have joined together to celebrate their gastronomic meal. Comment la meuler, mais si tu sais reconnaître ta pomme de terre. Preparation begins. Oh mais du vin blanc. C'est fait. C'est fait. Et qu'est-ce que c'est comme pomme de terre? Donc ça s'appelle la princesse Amandine. Alors, est-ce qu'on frotte le plat d'ail? Ah bah ouais, quand même. Et après, on va le couvrir d'une préparation qui sent bon, qu'on appelle un courbouillon pour rondelle. Il pose au doucement parce qu'il est fragile, très très fragile. Allez, allez, rien ne se casse la gueule, allez, regarde. Allez. Sortir sur les côtés. Je fais ça. Plier comme ça, ça va bien se plier. Avec un glaçon. La bouteille qui est ouverte, tu mets un glaçon blanc, je fais 13 heures. Ça sent très bien au bois. In every family, all over France, the same ritual is observed. Se régaler ensemble, préparer le repas ensemble, échanger, et puis à partir de là, élargir la curiosité et peut-être l'éveiller. Parents transmit to their children basic techniques and know-how. Peeling, trimming, cutting, making mayonnaise, tasting, again and again. Practice makes perfect. Et mettre à l'intérieur. Ça, on va faire ça. Et tu mets le jaune. Vas-y. Tu tournes autour. Voilà, mais... Voilà. Voilà, ça c'est le geste essentiel. Tu vas les mettre là, d'accord? Là ou là? Là. Tu la coupes en deux et dans une assiette, tu commences à m'épépiner parce que c'est assez long. On prend quelques heures comme ça, des fois, pour préparer quelque chose. À la fin, on se dit, ouais, c'est moi qui ai fait ça. Voilà. Faire plein de desserts, pour faire plaisir à ma famille, pour faire plaisir aux gens. Of course, a gastronomic meal is not only about eating. It is a highly ritualized affair.
Setting the table follows very strict rules. Children are taught how to fold napkins, where to place different kinds of glasses, and how to arrange the cutlery for the different services. Everything is ready. The cheeses are arranged on a platter and the wines are opened. The finest wines are carefully decanted. The French-style gastronomic meal is based on a sequence of services or courses. Apéritif, first course hors d'oeuvre, fish course, meat course, cheese course, and dessert. The ritual begins with the apéritif, or appetizer, to open the appetite. D'être ensemble et de se revoir. Et de bien bouffer, de bien boire. Au plaisir de la bouche. Voilà. C'est des calamatas, c'est des calamatas. Ça, ça doit être bon. Each course is brought out separately and placed in the center of the table, like an offering. It is also a conversation piece. Un velouté avec des huiles persil. Bon. Est-ce que tu mets de la cannelle? Ouais, je sais pas, je vais goûter. Il y avait un petit peu de surfeuille. Ça peut faire un velouté avec ça. Ça, c'est facile à faire. Merci. Il arrive. Bon appétit. Non, vous ne commencez rien. Il y a une petite tombe de persil. As a symbol of sharing, the whole fish and the roast are ceremoniously presented and carved at the table. Non, après ça, ça a été après. Ça, c'est les années 70. Bon appétit. Très bon. Hein. Délicieux. Ah bah tant mieux. Oh là là. On ne sait pas où tu vas chercher tout ça. Mais... Très bon. Moi non plus. As if with reverence, all conversation stops in the shared pleasure of the moment. Dans la soupe, c'est les champignons qui sont là. Ouais, un petit peu d'ail, là. Oui. And to ensure a harmony of flavors, a different wine is proposed with each dish. Cheeses of various types and shapes are arranged on the cheese platter in a specific order. Each one is cut in a particular way to ensure that everyone will have an equal amount of rind and center. They are tasted beginning with the mildest and ending with the strongest. More than for everyday meals, desserts and sweets are always a part of a gastronomic meal. It's the pleasure of being together. Non, on a dit qu'on partageait quatre fois. Moi, j'ai pas de framboise. Mohamed, je m'occupe de mon neveu qui est à ma droite. Ben non, comment tu expliques? Sa première location de la vie, c'est... Ah bon? A digestive liqueur or brandy ends the ritual as conversation continues around the table. I think it's good to try to preserve the art of living, of well-being, of knowing how to eat. This really is a cultural phenomenon, a part of French culture, something that's been handed down generation after generation. Submitting it to UNESCO illustrates a certain determination to maintain its transmission and to orchestrate it a little more, because I'm afraid that in the years to come, we won't be able to do that by ourselves anymore. I think a UNESCO nomination like this is very important, not only for France, but for Europe, for the whole world. Yes, it's definitely part of our culture, of our heritage. It's a living heritage, an evolving heritage. So if UNESCO recognizes that, it's really a good idea. 99% of French people hope to preserve their gastronomic meal and transmit it to future generations.